Je voudrais dire, quand il se passe quelque chose dans la vie qui vous fait un peu oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? C'est pas du tout ce que j'ai planifié. Eh bien, sachez, peut-être vous n'avez pas les planifié, mais il y a une raison pour ça et ça va se faire comprendre plus tard. Tu vois? Ça va se faire comprendre plus tard. Et je pense que encore et encore, Jacques Brel, il a toujours encouragé les gens pour aller voyager, pour aller voir au-dessous de la colline. Et je suis avec lui. Je suis pas tellement extrême comme lui. Parfois, j'arrive pas à le comprendre. C'est possible. C'est possible de vivre une vie de rêve. Parfois, ça a l'air très dur. Parfois, ça a l'air comme un cauchemar. Mais tu donnes de mal, tu t'en sors. Et puis là, c'est le plus bel moment. Moi, j'ai eu des moments... Tu sais, parfois, je regarde... Ça fait 12 ans que j'ai parti d'Israël. Parfois, je regarde, je dis, waouh, j'ai tellement ramé Londres, Angleterre, et l'Allemagne. La froideur, je joue dans la rue, j'ai des problèmes avec des flics parfois, quoi que ça. Mais j'ai dit, mais regarde les expériences, les concerts que tu as fait, les rencontres que tu as fait. Jamais je l'ai changé.